un lieu aux multiples facettes. C'est déjà un patrimoine qui date du 15e siècle. C'est aussi et surtout le dernier moulin à papier en activité du Limousin. Donc dans ce moulin, on fabrique du papier d'art à la main ou avec du matériel très ancien. On va faire aussi des papiers originaux à base de légumes ou des papiers recyclés de couleurs. Et puis c'est un lieu aussi où on accueille du public, où on a des visites guidées, des ateliers en production, des ateliers créatifs et puis une grande exposition qui est renouvelée chaque année. Alors pendant le confinement, les artisans ont continué à assurer une production. Le papetier a fabriqué du papier smoke, qui est un papier unique au Moulin du Gau puisqu'il est fait sur une machine du 19e siècle. Un papier gaufré qui va servir à faire par exemple des couvertures de carnet ou même des boucles d'oreilles. Et puis aussi les bénévoles de l'association, les Amis du Moulin, on avait lancé un appel. Ils ont conservé et congelé des épluchures d'asperges et des verres de poireaux pour pouvoir faire du papier à la main. Voilà. Isabelle aussi a continué à créer des cartes pour alimenter évidemment la boutique du Moulin du Gau. Voilà, alors toutes ces machines, elles ont continué à travailler, mais elles attendent évidemment de pouvoir faire leur show devant le public. La grande nouveauté, c'est bien sûr cette magnifique exposition qui a été inaugurée en mars, mais qui n'a pas évidemment vu de public encore, donc elle attend patiemment. C'est une exposition qui réunit une vingtaine d'artistes, tous des orfèvres du papier. Une exposition qui est sur le thème du Japon. Voilà. Et puis l'autre nouveauté, c'est bien sûr d'autres manières d'accueillir les visiteurs. Vous aurez au menu la possibilité de venir pour des visites privées du Moulin du Gau, des visites bien sûr des ateliers en production, mais aussi de cette belle exposition, et la possibilité aussi de faire des ateliers pour venir fabriquer son papier en tout petit groupe, au sein d'une même famille, ou un petit groupe d'amis. Voilà, vous pourrez venir faire du papier, imprimer vos cartes postales. Voilà, tout ça, ce sera bien sûr à retrouver sur notre site internet. Alors, pour nous aider, vous pouvez dès à présent réserver votre animation sur notre site internet. Si vous êtes en individuel, il y aura des créneaux pour vous avec des tout petits groupes, 10 personnes maximum. Vous pouvez aussi réserver des ateliers, des visites privées également. Vous trouvez tout ça sur notre site. Et puis vous pouvez aussi, pour nous soutenir, rejoindre l'association du Moulin du Gau en devenant adhérent ou en faisant un don sur notre site internet moulindugau.com. Voilà, d'avance un très grand merci. Et puis toute l'équipe du Moulin du Gau espère vous retrouver bientôt.